Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va, fou Ça va très très bien et toi Ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une deck tech standard. Euh, ça faisait un petit moment là qu'on vous proposait autre chose euh, parce qu'il faut bien se divertir hein, avec cette période de confinement, bien entendu. Euh, et là, on a vu une decklist euh, plutôt sympathique qui est, ouais, est euh, monogreen, euh, mo monogreen utilitaire, j'ai envie de l'appeler. Qui a fait 6-0 ouais. lors des MFO, les Magic Fest Online, euh, plus précisément les Daily Qualifiers. Euh, donc, c'est le tournoi auquel a participé Val, pour ceux qui sont venus le voir en stream, et vous étiez nombreux à venir le voir, merci beaucoup, sur euh, ouais, Twitch. C'était cool, merci énormément. Euh, euh, ce sont des tournois, il y en a 4 par jour pendant 2 semaines environ, là. enfin maintenant, quand vous voyez cette vidéo, pendant encore euh, environ 10 jours, euh, qui vous ça. permettent euh, de vous qualifier à des euh, tournois euh, de fin de semaine euh, qui se passent le week-end. Qui s'appelle les Weekly Championships. Les... Exactement. Et il faut faire 5-1 ou 6-0 dans un Daily Qualifier Sur pour avoir accès rond, à ouais. ce tournoi-là. Voilà, il y a 6 matchs en tout, faut en gagner 5 pour vous qualifier. Enfin, euh, minimum 5. Et euh, il y a une vidéo qui explique tout ça, euh, qui s'appelle Harry Talker. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. C'est le, le sujet du milieu de la vidéo euh, où on parle de tout ça, on l'explique. Donc, si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Cette decklist, du coup, a fait 6-0. Euh, on n'a pas euh, trouvé le nom de la personne. Ils ont juste mis la decklist. Ah. Bon, je moi crois. je l'ai trouvé, ah, c'est ah bah. la décliste de Maxime Salmin. Voilà. Maxime salma ok. voilà Maxime Salmin sans E, donc je pense que c'est pas un français. Mm -hmm. euh, mais voilà, c'est lui qui a fait 6-0 avec cette DL là. Ok, et eh bien GG Maxime Salmin du coup pour cette décliste euh, qui euh, sort complètement de l'ordinaire. On a vu que Molovaire venait de temps en temps euh, reprendre un petit peu euh, ses droits euh, en standard en faisant euh, quelques paires par-ci par-là, mais il ne reste jamais longtemps. Ça c'est un peu l'exception, on va voir s'il si va... Euh... Il va s'octroyer une place dans cette méta déjà bien chargée. J'ai envie de dire, il y a de la place pour tout le monde quand on voit le nombre de decks euh, ah. solides qu'il y a en standard. Il suffit qu'il y ait un sérieux challenger. Et, euh, et d'ailleurs, ce, ce méta standard me fait un peu penser au moderne, euh, à l'époque où il était sain, c'est-à-dire où il y avait plein de decks jouables, euh, certains qui étaient plus forts que d'autres, mais. Dans l'entièreté du méta, tu pouvais un peu jouer n'importe quel deck, si tu jouais bien, tu pouvais te dépatouiller comme il faut. C'est à peu près ça. Et en plus, en termes de puissance, en termes de power level, on a un standard qui est quand même assez vénère. Enfin, on fait des trucs vraiment plus, pétés ouais. euh, dans ce standard. Ouais. Mais comme tout le monde fait des trucs pétés, bah, rien n'est vraiment pété. C'est ouais. un peu l'idée du moderne. Exactement. Il euh, n'y a que les decks agro, Enfin, Molo Rouge a des très bonnes synergies, mais euh, si tu enlèves les synergies de Molo Rouge, je trouve que les decks agro pèlent un petit peu. Et justement, ce Molo ouais. bon verlab a réussi à faire l'exploit de, de s'imposer en étant un deck plutôt agro pour le coup. Ça. Euh, avant de continuer, n'hésitez pas, si vous voulez nous soutenir, à faire un petit tour sur notre page de type, à utiliser le code ValéPL2020 sinon sur la boutique Magic Bazar qui est libre encore dans cette période. Merci beaucoup à eux, c'est notre sponsor. Merci beaucoup. Euh, le code vous donne un booster gratuit en fonction du montant de votre euh, panier. C'est quand vous euh, le rentrez donc à la fin de la commande. Donc, merci énormément de ceux qui l'ont qui l'utilisent, ça nous soutient. Utilisé par tout le monde, ancien, nouveau client, vous connaissez la chanson. Euh, une fois par contre et euh, code créateur Magic Arena FR sur Epic Games Store si jamais euh, quand vous achetez les jeux vous pouvez mettre notre code et ça nous soutient également et c'est totalement gratuit à vous Même des, des skins dans les jeux si jamais vous, vous êtes euh, yep. acheteur compulsif de skins, on sait que <laughs> certaines personnes sont très friandes de tout ça exactement, euh, du coup cette decklist qu'est ce que c'est, ben, en fait c'est 8 orins qui sont euh, collecteurs de peau, donc assez connus euh, qui prend un marqueur plus 1 plus 1 quand une bête plus forte arrive sur champ bataille ou meurt euh, plus forte strictement hein. et il a le piétinement si on a trois marqueurs dessus ouais, okay, sera forcément plus forte et le tracker de bois sauvage qui lui par contre est un tourain pas du tout conventionnel qu qui était très joué en draft Eldrine et qui est ouais. euh, qui gagne plus 1 plus en fait euh, quand il attaque ou bloque si une autre créature non humain si on possède pardon, une autre créature non humain donc typiquement bah, un autre collecteur ouais. de peaux ou n'importe quelle autre bête la, la gueule de toutes nos bêtes vous voyez qu'elles ne sont pas humaines donc, euh, donc à part les bien. tokens de, de bêtes frappées d'amour ou du euh, des premiers jeux voilà. sinon tout le reste est non humain donc c'est une 2-2 pour un, en gros Enfin euh, pas statique mais quand elle attaque ou bloque C'est surtout en fait Cette carte là elle est surtout pour la curve Pour pouvoir avoir des départs un peu patates comme on dit Et avoir quelque chose à faire en tour 1 Un tu gros pas de tour c'est un petit peu compliqué Tu tombes vite dans le mid range Et là voilà le but c'est quand même d'aller coller des pêches Et c'est bien d'avoir un 2-2 au tour 1 mmh. Oh et là le, le texte d'ambiance Très stylé qui dit Celle-ci portée des souliers de verre ce ne sera pas une pro ordinaire Genre ils sont en train de chasser euh, il chasse une princesse quoi. Euh, la baie, euh, pas la belle au beau dormant, pardon, cendrillon. cendrillon. Incroyable. Et, et, effectivement. Euh, enfin, il la chasse. Ils sont sur ses traces. Druides oui, de Paradis. Peut-être essayer de la retrouver aussi. Exactement. Druides de il Paradis. Y a proie avec, euh... Ouais, quand tu dis que quelqu'un est une proie, euh, tu vas pas lui serrer la main généralement. Surtout non. pas, ne serrez pas la main en ce moment. Encore moins. Druides de Paradis, l'accélérateur euh, tour 2 qui fait quand même bien plaisir. Bon, là, le fait qu'il fasse ça mana de la colonne de vois on s'en fout. Starpoder hein Crawl qui est un tour 2. On se posait la question, mais c'est surtout un tour 2 agressif, un 3-2 pour 2, parce que euh, le côté porté euh, plus euh, il peut faire anti-bête pour une créature vol. C'est un peu anecdotique. Même si avec les June sacrifices, on peut attraper une oie d'or, un corvold qui fait plaisir. Mais sinon, Edge Sky aussi, on peut attraper euh, cavalier bleu et, et peut-être le, mmh, le Sox. Ça. Mais, euh, mais en ça général... ne paraît pas être la raison principale de voilà. la présence de Star Crawl. Je pense c'est surtout pour la curve et avoir une bête agressive. Ouais, exactement. Sinon, on en aurait 4 et un troll pot d'écorce de moins, je pense. Probablement, ouais. Troll pot d'écorce qui est une 3-3 pour 2 dans ce deck, donc on aime et en plus on peut le protéger avec en retirant un marqueur si jamais. On arrive sur le cossu du pack Bête frappée d'amour x4, classique. Yorvo x3, bah, un petit peu le même effet que collecteur de pot, mais mieux, puisqu'en fait il prend un marqueur dès qu'une bête arrive en jeu sous votre contrôle, peu importe si elle est plus forte ou pas. Et si elle est plus forte, une fois qu'il a pris un marqueur, il reprend un marqueur. Donc ça peut devenir très vite très très gros. Ouais, c'est très très gros, Yorvo. Les premiers jeux héroïques en one slot, bah, ça fait euh, de la menace, de la value tout seul. Ça crée une bête, ça met des trois marqueurs dessus, enfin sur une bête, ça fait piocher deux cartes, ça crée un jeton or qui donne un mana. Franchement, pour trois dans ce pack, ça a l'air quand même plutôt synergique euh, avec ce qu'on veut faire. C'est ça. Au Bet, début de Teros, on a vu la euh... carte jouer en grûle. Euh, donc, du coup, c'est un petit peu une espèce de, de, de souvenir de cette carte qui était jouée en grûle, qui au final a disparu. Peut-être qu'elle s'intègre mieux dans mon over. On, on dirait que le mec est quand même pas sûr, il en a mis qu'une. Ouais je sais pas. Euh, mais en fait je pense que juste t'as pas envie d'en avoir des multiples. Mais euh, en avoir euh, une comme ça ça doit faire euh, ouais. un petit peu ah, de plaisir. à quel point tu veux chercher ta carte Est-ce que tu préfères pas 4 Yorvo C'est une vraie question. Ouais, peut-être que les, les mains... En fait il y a pas mal de trucs légendaires entre Yorvo, Bête de Quête, Vivienne, Nissa. Donc euh, peut-être que t'as pas trop envie d'avoir des mains euh, avec des multiples des qui, euh, boublées, ouais. qui se, qui ouais, se jouent pas quoi. Bête de quête, justement, bon bah, vous connaissez, 6 hein. effets pour 4, euh, ça fait plaisir, surtout par les temps qui courent, il y a des petits planeswalkers qui se baladent partout, donc ça fait plaisir d'aller les, les pressuriser. Vivienne, Ranger au qui permet pareil de gérer euh, créatures planeswalkers, de mettre la pression, de donner piétinement, euh, d'aller chercher des créatures dans le side, et il y en a quelques-unes, il y en a deux notamment intéressantes à aller chercher, on y viendra après. Je, finis, euh, je finirai par card. Nissa, vous savez ce que ça fait. Château de Gare en parce qu'on joue mono vert, et ça nous permet d'avoir plein de mana pour faire plein de trucs cool. Circonscription mobilisée, on joue quand même 4, euh, 3 planeswalkers différents, pardon, ce qui permet de souvent le payer pour 3, voire pour 2, euh, pour avoir une 3-3 supplémentaire pour mettre la pression. Et Karn, un petit peu le chef de la bande, le grand créateur, euh, qui permet bah, déjà que les capacités des artefacts que vous, cest cont dire contrôle, ne peuvent pas être activés. Donc tous les messieurs qui jouent des fours, on arrête, on ferme le four, on l'éteint. Pas mal. À partir de 22h, plus de pizza, c'est ce que Karn a décrété. Plus un, ah, on peut incroyable. animer un artefact non créature pour qu'il devienne un artefact créature avec une force et une endurance équivalent au coup de mana. Dans ce deck, c'est pas mal avec une carte qui est en side notamment, pour mettre la pression. Et pour Ça moins 2. aussi d'animer les artefacts de ton adversaire pour, pour les gérer potentiellement si tu as moyen de les gérer. Effectivement. Bah, dans ce deck, pas trop, mais après side, pourquoi pas. Ouais. Moins 2, ouais. on peut choisir une carte d'artefact qu'on possède en dehors de la partie ou en exil. On révèle cette carte, on la met dans notre main. Donc en gros, on va chercher une carte dans le side et on la met dans la main. Et c'est là l'intérêt du deck, on va passer au side du coup maintenant. Enfin, euh, autre que le fait que ce soit un bon deck aggro, hein, c'est qu'il y a pas mal d'artefacts en side qu'on peut aller chercher et qui font grave plaisir. La cage du Fossoyeur qui permet de shutdown euh, les ouraux, euh, les chats qui reviennent du cimetière, les escapes comme euh, euh, Ostrider, enjambeur du malheur. L'ombre lance qui va permettre de gagner des courses euh, et de battre mono rouge en ayant le piège et le lien de vie. Elle du brise qui permet de passer au-dessus. Euh, dans des, euh, des matchs plutôt contre les decks midrange, je suppose, où il va y avoir des boards peut-être un petit peu, un peu complexes. Donc, Vansorceuse okay, ouais. qui va Shun Down les Plains Volker. le grand créateur, bah, ça, vous pouvez le, le rentrer en supplément, vous pouvez pas aller chercher. Le grand Cromlech qui est artefact et que quand vous l'animez avec le plus 1, c'est une 9-9. Donc, c'est quand même un grand Cromlech plutôt vénère, hein, un arbre qui vous met des quoi, coups ouais. comme ça et qui fait de la value, qui fait gagner des points de vie, qui fait piocher des cartes. Enfin. Très très bien. Et Grand Serpent à euh, ça, bah, vu que ça a la protection contre le multicolore, la portée et le piétinement, euh, vous pouvez aisément aller le chercher, le curver après Karn pour faire une 5-5 qui va embêter plein de gens, notamment le Dream Trawler. Dream Trawler, ça le bloque très bien, ça le trade sans mourir. C'est vraiment ouais. une très bonne réponse à ça. Moi, il y a un truc que je comprends pas dans ce deck-là. Alors, il a fait 6-0, donc euh, il a la, la, la présomption d'avoir la vérité, d'avoir raison. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que tu as quand même un side qui est dédié à être, euh, entre guillemets, fetché sur carne. Donc, tu ouais. dédies tout ton side à avoir des réponses polyvalentes à l'ensemble du méta. Par contre, tu mets qu'un seul carne main deck. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu vas jouer, j'ai pas les stats en tête et je vais pas les calculer comme ça, mais grossièrement 8 parties sur 10 sans toucher ton carne. Bah, euh, vu que tu as un deuxième cas -là, cas -là, après side... Euh à la 2 à la 3 tu as plus de chances déjà de, de t'en servir ouais mais dans ce cas on monte à aller à 6 ou 7 parties sur 10 où tu n'auras pas ton card et, ouais. et dans ce cas là en fait tu as un deck mono vert qui après side ne peut pas trop s'adapter et moi bah, ça j'ai un peu du mal à comprendre comment il a réussi à, à en faire vrai, de cette manière là ça, ça me fait un peu bizarre de pas avoir maximisé tes chances de toucher card main deck en vrai il a que euh, moins de la moitié de son side consacré puisque euh, tu vois qu'il euh, y a 3 brisés de monton de 3 Ceratops, plus le carne, ça mais fait 9 euh, cartes sur 15. Euh... Mais je suis d'accord, il peut les rentrer ces cartes, sauf qu'il n'a pas envie de les rentrer, puisqu'il a carne, tu comprends Bah si, Donc en fait, bravé, quand c'est bravé, c'est pas une carte que tu vas rentrer. Mais non, je te parle de brisé bravé, monton, ouais, ton nom de Ceratops. Ouais, mais mon de Ceratops, t'as envie de les fetcher avec tes Viviennes. Bah ben, je suis pas sûr moi, je pense que justement après side tu vas les rentrer et du coup ça fait quand même euh, 8 avec card 9 euh, potentiel sur le side que tu peux du coup rentrer Ouais mais dans ce cas là tu joues mono vert avec un side de 9 cartes, c'est quand même te tirer une balle dans le pied de pré de... au préalable Ouais je... je sais pas trop, écoute c'est la plus value de... la plus value ouais. pardon Après c'est de la théorie, j'ai aucune pratique sur le deck, j'ai juste un regard très théorique sur, euh, sur comment ça se passe et je, suis... je m'interroge en fait plus que remets en question non ah mais je suis d'accord. Euh, je me serais attendu à avoir deux cartes main deck et un troisième en side. Vous pouvez faire ça, d'ailleurs, hein, si vous voulez modifier un peu le deck. Mais euh, en tout cas, il a fait 6-0 comme ça, le monsieur. Et je pense que ouais, c'est ce qu euh, juste la chance en fait d'avoir, euh, d'avoir potentiellement un carnet qui va. Ah, j'ai un peu d'écho, je crois, Val. Je, je m'entends un petit peu chez toi. Ah pardon. Peut-être le micro à peu près. Et, euh, et c'est juste, qu'il y a certaines games, bah, tu vas pouvoir aller chercher une carte et, euh, et ça va plier euh, plier la game, enfin, je suppose. Hein. J'aurais pas trop ouais bah, de... probablement des sorties patate et mono vert suffit à, à, à écraser ce que veut faire le méta. En tout cas, c'est vrai que si tu rencontres des decks agressifs type Rapdos et, et Mono Rouge, mm. qu'importe ton side, qu'importe carne, tu devrais t'en sortir. Parce que ouais. bah, dans l'histoire Magic vert, gro... Enfin, dans l'histoire de Magic, euh, les decks mono vert, grosse bête, ça a toujours battu les decks agressifs. Euh, par contre, ça me paraît ledge contre toutes les, tous les decks ramp. C'est là où, euh, là où bah, ça bless. me paraît important d'avoir plusieurs carnes. Ouais, effectivement. Euh, comme autre carte de side du coup on a brisé bravé qui va permettre de gérer créature et Plains Walker enfin brisé, parce que Bravé on pourra pas le caster euh, à part avec Dorides de Paradis mais un peu plus complexe on peut pas trop compter dessus. mon tonneau de Farouche qui va permettre de gérer Artefacts, enchantement et Ceratops qui permet de gérer les decks bleus, enfin à base bleue. Et euh, vu que vous avez une Vivienne, comme le disait Val, vous pouvez aisément aller chercher un Ceratops ou un euh, Brontodonte, donc vous allez chercher Dino et Vivienne. Euh, pour euh, répondre au deck en face euh, dès la une en fait si jamais... Euh, vous voulez rentrer. Et d'ailleurs, je sais pas si tu rentres tout. Euh... Je pense que oui, parce que bon, toi, non, tu rentres contre Mono Rouge, tu pas envie d'aller chercher. Ceratops, ouais, par contre, tu peux peut-être en rentrer que deux et aller chercher le troisième avec une Vivienne. Je sais pas à quel point c'est viable de faire ça. Ouais, du coup, ouais, je disais. Effectivement, top ça a l'air bien euh, d'en rentrer seulement deux et d'en laisser un à fetcher, par exemple. Voilà, exactement. On va partir en game, du coup, petit BO3 des familles sur le later. Allez, vas-y, let's go. Alors, est-ce que euh, on part sur le. Ouais, standard, standard traditionnel. traditionnel avec Allez, on est parti. Hop là, tu es classé combien là Tu es mythique quoi Je dois être 600, j'étais 400, j'ai arrêté de jouer, donc on va voir où je suis tombé. Ok, Alors, il ne faut pas tomber trop bas du coup. Ah j'ai arrêté de jouer, j'ai pas joué hier en tout cas parce que j'ai fait le qualifier. Je sais pas combien de j'ai pu perdre en, en un jour. Deux okay. jours, pardon. Ready. On joue contre TI. 650. Ah bah TI qui est un, un membre du Discord Perf et qui est le gagnant du tournoi Faceit. Et ça c'est pas mal. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'on en pense de cette main euh, Cette main elle est ok, non On a un drop bah 2 un pas. drop 3 qui va nous faire piocher. Si on se fait pas gérer le token de premier jeu héroïque, c'est pas mal, sinon c'est un peu ledge. Ouais. Alors TI joue June Sacrifice ou Temur Réclamation mmh. ah, Dans tous qui... les cas, ce premier jeu héroïque est pas ouf. Non, est-ce qu'il faut Mulligan cette main du coup Moi j'ai envie de Mulligan plutôt. Ouais. Ok, vas-y. Ouais ah, c'est mieux. Bon, on préfère avoir Yorvo que le premier joueur aussi du coup. On ça. enlève une Druides. Et c'est intractable. Tu, tu, tu peux proposer bonjour à Théi qui a été sur euh, lui. Ah, qui bien sûr. Poli. ah bah il joue un autre deck du coup. Effectivement il joue ni l'un ni l'autre. Le sniping qui ne marche pas. Ouais les gens ont le droit de changer de deck ils ont raison. Bant, ok alors là on peut être agressif ou jouer Druides. Ouais je pense... Attends, si on fait harponer, le tour d'après on fait Yorvo et le tour d'après... Ouais, cette druidesse elle accélère dans rien, donc tu peux harponer, effectivement. Ouais, après cette druidesse, ça se prend pas Teferi, ce qui est pas mal. Ouais, c'est pas faux. Ok, vas-y, vas-y. Va. Ouais, je vais développer tout ce druidesse que par rapport au Teferi, potentiel. C'est bien vu, effectivement, il y a probablement Teferi dans la poche. Raphaël d'été, hein. on va la mettre en dessous. Oh, on s'est ça. Ouais, on en a déjà. Aucun problème. On en a trop soupé. Ah là, on peut faire un play intéressant. On peut faire ouais, euh, moi, je collecteur, collecteur dans Druides. Ouais, collecteur dans le ouais, pardon. Ouais, chaud. Ouais, chaud, chaud. Ça met quand même une pression sans se si, trop. Si, Là, notre adversaire, il est bien sur Banque C'est exactement ce que je détesterais rencontrer avec ce deck-là. Bah, les decks avras. Ouais, les, les decks avras ou les decks juste à, à gros, à gros plays stabilisant quoi. Que ce soit mmh. des Nissa, des Krasis, des... Des trucs qui vont te dire tu ne passeras pas et effectivement ça va être très dur de passer. quoi. Ouais. <coughs> effectivement. Alors, on n'aimerait pas ni ça. Il n'y a pas de ni ça. Ok. Alors là, la question éternelle, se commit-on Ou se commit-on pas Est-ce qu'on a les moyens de pas se commit C'est ça la vraie question. Je, Je pense que bête frappé d'amour... Ah tu... non, tu veux d'abord Yorvo toi Yorvo face d'attaque et, phase et on garde nos deux cartes en main. Ouais, ça me va. C'est probable que la vrasse, elle. Ouais, non, il aurait pu la slow roll et ne pas la jouer. Je pense que, que s'il a une vrasse, il la slow roll justement, parce que là c'était pas très intéressant de faire ça. Ouais, c'était pas si intéressant que ça. Ouais. Mais euh, là ça nous permet de mettre la pression, de s'assurer de draw avec la vrasse, grâce à Yorvo. Ce qui est assez important. Espèce de des ok, mais ça veut dire qu'il continue à prendre le, la pression. À prendre le beat down je crois qu'on peut vraiment pas tourner autour de Vras par contre. Hein. Là, je vais faire Baisse d'amour, mais garder mes harponneurs. Ouais, tu mets, un... vas-y, tu mets un token, un, un token un. bien sûr. Et on pose la bête qui fait grossir le collecteur, on met tous les points. Ça ouais. fait 6 points, il y a 9. Et là, s'il a pas une Vras, il a perdu typiquement. Exactement, parce que là, cet effet ne nous. Euh, ne nous fait rien pour l'instant. Bah, il nous empêche de développer un Planeswalker, euh, ton prochain. C'est ça. Mais on en a pas ça en main, donc ça t'enlève. pas l'étal jusque-là. Ouais. 5, euh, 10, 11, 12. On a tout pile l'étal. Il y a un land qui est mis en jeu. Y a-t-il une vrasse Non, il n'y a non. pas de vrace. ok Bon, là, Super. avec une vrasse, ça aurait été compliqué. Mais on avait encore du gaz. On, on lui remettait 6 points de board. Il était à 12. donc Et en plus, j'ai une carte. Moi, je, je rentrerai 2 ceratops. Alors, 2 euh, ceratops, je suis d'accord. Le carne. Ouais. On veut pouvoir aller chercher des trucs et je crois qu'on va s'arrêter là. Euh, Est-ce ouais, qu'on veut un bon Taudon, un seul, pour gérer euh, des LSP de Conquerdes je, je, je pense pas. Je pense non. que si tu commences à gérer en sacrifiant ta 3-4, c'est que t'es infiniment derrière. Bah en fait, as une 3-4. Le premier jeu ça m'a pas l'air dingue. T'as une 3-4 de base qui peut mettre la pression et si jamais t'as besoin, tu peux la sacrifier plus tard. Faut pas la voir comme une 3-4 que tu sacrifies direct. Tu vois. Non, non, bien sûr. Mais je pense que c'est moins agressif que toutes les autres cartes de notre deck. Ok. Alors, ce qu'on peut enlever Voir la premier carte. jeu Iroasique. Euh, J'aimais bien moi. Tu vois cette carte là. Tu vas avoir du mal à cut dans autre chose. Hein. Tu peux enlever une Vivienne parce qu'on n'est pas sur le play déjà. Euh, ouais, une Vivienne, je suis d'accord. Euh, moi, j'aurais bien enlevé un troll. Ouais, on peut enlever un troll, ça me va aussi. Et ouais, peut-être que c'est un premier jeu Iroasique qui doit être cut en fait. Bah en fait, ça met pas la pression. C'est un outil de value et ouais. contre banque, tu gagneras jamais la value. Il faut qu'on aille le et justement, en fait, comme c'était le seul outil de value, enfin, à part carte bien sûr, ouais. euh, je trouvais que c'était pas mal d'en de, avoir un. Mais effectivement, je comprends, Le problème, c'est que si tu vois, t'as beau piocher des cartes sur tes jeux et tout, si la brasse, on va juste perdre cette game. Elle est bien cette main. C'est une très belle main, ça. Ouais. Je vais y redire bonjour. Là, on curve comme il faut. Et ce qui est bien, c'est qu'au tour on se prend Bras, on développe Vivienne. Ouais, c'est vraiment nice. Et euh, ça, bon, Vivienne toute seule, ça fait rien. Mais lui, du coup, il faudra qu'il gère derrière ça c'est nice et on suis le quatrième land donc plus c'est parfait on est tout bon là bah là on a une petite curve je vais pas faire druides ah quoi que si je peux faire oh. druides pour faire pour accélérer vivienne ouais oh, ouais on va proposer un point hop là et on propose vivienne. Euh, druides j'allais dire curve et troll euh, dans Bête, ouais, dans non. vivienne c'était bien mais en fait euh, Juste la placer à un moment où il aura du mal à gérer, où oui, ce sera Vras ou. Euh... C'est ça. Vras ou l'Espèce Conquerdes, c'est pas mal. Ok, là c'est Wuro Ça serait chiant qu'il fasse Rafale des Terres là. Il pose ouais, mana il à lander... Et, Et il le fait pas. Ah, yes, ils l'ont pas dégagé. D'ailleurs, ne pas respecter le il fait qu'on qu puisse à avoir verre, Casting Beast. C'est-à-dire que même s'il n'a pas Heather Gust, je pense qu'il avait tout intérêt à l'en dégager ouais. pour nous faire changer de play. Vas-y, ouais. let's go. Hein. Je pense que là, Vivienne, c'est pas mal. Ah, complet. Tu peux pas prendre Mystical Dispute parce que ta carte est pas bleue. Il faut vraiment foncer là. Je mets tout sur le token. Pas... alors attends. Bah là je préfère met mettre les points, et il n'aura pas de réponse. Ok parce qu'on va... Sinon se faire, on peut se prendre tes ferries assez aisément sur ce token. Ouais. Après dans tous les cas on peut prendre tes ferries sur ça tu vois. Si jamais je mets un et un il va te ferry la druides enlevant le marqueur et un mana. Ouais mais on aura quand même gardé un marqueur dans cette histoire. Ouais je, je pense que deux points... Enfin mettre les points là c'est mieux parce que du coup soit il enlève la menace et on garde notre mana, soit on enlève le mana mais on garde la menace tu vois. Ok. Le split ouais. euh, rend trop avantageux, je pense. Le le, le de Druid. Ouais, moi, je trouve que c'est là où on le rend trop avantageux. Hein. Ah, et du coup, nous, on a toujours euh, l'accélération. Enfin, on a toujours la même accélération que lui pour pouvoir proposer des trucs. La même vélocité. La même vélocité. On est véloce. Eh oui, c'est vrai. En fait. Nissa qui ah. met un coup à Vivienne. Alors, ça, c'est très bien. Sauf si y a Rafale des Terres. Et il a ouais. hésité à animer la forêt. Donc rafale des terres, il, aurait, il aurait l'andé dégagé le tour d'avant. Il y a beaucoup de chances qu'il n'ait pas rafale d'éther. Non mais il aurait pu la, la piocher. Parce que là, Vivien, euh, Nissa, il a peut-être dans la main. Euh, on ne oh, peut là. pas tuer Nissa, je crois. Tu peux te battre avec son land. Non, enfin, non, pas je te battre, pas. infliger ta force à son land. Non, c'est moins 3. Ah, c'est horrible. Par contre, tu peux donc transformer en 5-5 pour mettre la pression. Non faut que tu le transformes en 4-4 et Druides en 3-3 et que tu bourres euh, Nissa avec les deux cartes. C'est faisable aussi. Est-ce que je veux faire euh, autre chose avant, non 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 je pense qu'on peut tout faire après le combat. tac-tac. Ok. Et je pense que si perd, perd un land on acceptera de perdre Druides en fait. Ouais. Ouais là de toute façon il est obligé de trade land pour euh, garder Nissa. à moins qu'il ait une autre Nissa en main. On attaque avec les deux. Ouais. Spirale, ok. Ah parce que là il y avait. Euh... Spirale Spiraleu. Oh. On ça sur. eux. Euh, cette game a été tendue. Euh, ouais. Mais d'abord Yorvo peut-être. D'abord Yorvo et token de bête frappée d'amour. Ouais. Effectivement. On... Il trigger ou pas sur les tokens, je sais plus. Non, trigger pas. Alors ah, c'est une créature verte, donc ça trigger pas sur les tokens blancs, effectivement. Vras ok On ah, piocher une carte nice. Ah là c'est très chiant On prend Vras Plus euh, on, on perd Vivienne Et là on ira ouais, Après je crois que ça sa sortie ça. On peut juste Pas trop la battre en fait hein. Bah ouais Là il fait un peu tout Il fait l'accélération Les play forts les, les gestions C'est ça il va dégager notre Vivienne. Après, je pense que sur le play, euh, notre Vivienne, elle aurait été beaucoup plus puissante. Bah Déjà, elle aurait largement matché cette, euh, ah, cette Nissa. Ça, c'est bien. Pas mal. Oh, je joue, bonne réponse. Hein. Ouais, tu joues ouais, carrément. Il va juste donner son land, mais, mais c'est mieux que rien. Ouais, mais du coup, il faut qu'il gère euh, cette bête d'amour là. Là, on ouais, lui a un grand de Parce qu'il va juste faire Euro, je pense. Euh, ouais. Là, il a cette carte pour euh, ramener Euro. Mais pareil, Euro, il doit le trade. Ah, oui, mais je pense que ça ne le pose pas trop, trop de problèmes. Hein. Il va le trade mais il garde Nissa donc euh, c'est avantageux. Hein. mana c'est quoi euh, Ah ça peut être Krasis si, si sinon. Hein. S'il engage cette forêt ouais. Mais si si il si, si, fait Krasis on a tué Nissa ici. Ah non attends elle est combien il est combien ouais, notre harponneur si, 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 euh, il est euh, 5-2. 5-2. Oh, euh, tellement, ouais, tellement triste. Est-ce qu'il y a moyen d'envoyer une carte supplémentaire dans notre cimetière Là non, malheureusement je peux pas trop le faire. Bah, faut proposer 4 points et trade dans sa crasis. Ouais. On pourra gérer la prochaine, par contre. Ah, c'est tellement dommage. Ouais. Et non, la prochaine, elle sera pas 6-6, malheureusement, elle sera. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, elle sera 8-8. Ah, ouais. Bah, écoute, je vais faire un bête repée d'amour, trop le pot d'écorce. Ouais. Et là, euh, elle peut pas attaquer pour l'instant, mais j'aurais juste à poser des pour attaquer. C'est ça, mais je crois que cette game on la gagne plus. Bah c'est dur. Pour euh, avoir joué pas mal bande je sais que là il est dans un Dans un sofa euh, premier prix, enfin euh, dernier, dernier, dernier cri tu vois. Ouais. Un très bon sofa, un sofa très moelleux. Il est, euh, il est chez Canapi mais le haut de gamme. Le haut de gamme Api. Ouais. Ouais bon vas-y quitte, quitte, cette game. Ah s'il avait pas Ouro, j'avais espoir de faire carne, je vais chercher cache de diagraphe je la joue. Ouais. Et, euh, et ça l'aurait empêché de jouer au de profiter peut-être de Tamio aussi. Ouais, mais en fait, tu matches quand même pas Nissa qui impose des bloquants à tous les tours. Et juste ça, on le bat pas quoi. J'ai une Questing Beast intéressante là. Qui se fait trade par Uro, Et il peut pas rejouer au du coup. Ouais, ouais, mais il a toujours Tamio et Nissa. Et il va rejouer au juste en faisant plus un de Tamio. Ah ouais. Et il a une Krasis à. Au moins x égale 10 s'il le souhaite. Ouais, donc c'est mort. Bon. Trop de value. Ouais. Unbeatable. Euh, du coup, vu qu'on commence, est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir ce quatrième Ceratops Enfin, ce troisième. Euh, là. Non, mais on veut au moins cette quatrième Vivienne, par contre. Vivienne ouais. Et on veut pas ce, ce vieux karn là. On a pas le temps là de... On veut de plus ce vieux carne, monsieur. Ouais. Je crois qu'on qu veut même pas le dernier karn. Ah si, je pense que tu le garde quand même pour tout ce que tu peux faire avec. Hein. Bah, qu'est-ce que tu peux faire de bien contre lui Elle euh, du brise pour passer au-dessus de ses bloqueurs. Ouais. Euh, on relance sur un, une grosse est bête. Est-ce que t'as le temps de faire Karn Je vais fetcher un truc. Enfin, c'est un moment où tu mets pas de la pression contre lui. C'est genre, je bourre ou je meurs. Ah oh, mais t'as un Karn donc ça va. Ouais. Euh, t'as Longue ouais. Vue qui va shut down euh, ces trucs. Non, je pense c'est vraiment bien Karn T'as ça pour Dream Troller ou pour euh, ouais. même. Euh... Je, je, suis à, je suis à peu près certain que à ce petit jeu-là, on gagnera jamais contre Bante. Mais tu veux mettre quoi à la place du coup bah, un Ceratops, un Bretonnon, un Troll, une carte d'agression, euh, pure et dure. Ah ouais, tu penses Est-ce que ça ouais. vaut le coup du 1 pour 1 Parce que du coup, on se shut down euh, Grand Serpent, qui, euh, une, une, une 1 qui bloque Razis, par exemple. Ouais. En fait, c'est surtout. C'est pas tant. Euh, de les Perdre les cartes de side, ça m'embête un peu. Par contre, c'est pour 4, faire un truc qui va chercher un autre truc qu'il faut jouer. C'est tellement. Lent quoi contre lui Ouais mais tu vas chercher un truc bien spécifique tu vois. Voilà, tu t'offres la possibilité de piocher la carte que tu veux de ton side. Parce ouais, que tu peux je peux utiliser le suite si tu veux parce que de toute façon, il est c'est pour ça que le deck est sympa et qui nous a tapé dans l'œil. Ouais. Ah, franchement mais moi je... Je... ça me ferait mal de l'enlever. Je... je sais que en ladder ou en tournoi, je suis à peu près 1000% sûr que ce n'y saute et qu'on met toute l'agression qu'on a en mode non, On 4. est sur le play, on le bourre ou on perd quoi. Ouais, je mon en premier. On a une okay. petite curve, faut pas trop piocher de land sinon on fait rien. Ouais, c'est bon. difficile à mouligan les mains comme ça. On a un tour 1. Le problème c'est qu'on se prend juste points euh, points. bien vras là. Sans piocher. Ah, mon karn il est là. Ah, tu vas pouvoir le jouer tour 3 ce qui est pas Truides. mal. propose de points. Et je crois que tour 2 il a rien pour gérer karn en fait. Non, qu'est-ce qu'on va chercher avec ce karn du coup Mmh. Déjà, je proposais deux points. Grave. Ouais, il pourrait jouer negate, mais ou Stroke mais c'est pas, c'est pas... ouais, c'est obligatoire. Pas ouais. Ouais, je tente le card. Vas-y, vas-y, tente-le. Ouais. Ouais, ça passe. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher Déjà, on fait moins 2 c'est sûr. Moi, quand je sais pas, j'aimerais bien chercher grand serpent. Alors, attends, est-ce que Chromelek là, on peut le jouer dès le tour d'après Chromelek euh, coûte que 2 de moins, donc il coûte Coute 7 mana, 7. si on joue Harponer Crawl, il va jouer euh, 6 mana. Non, c'est trop cher. On peut aller chercher deux fois la filet par contre sans qu'il y ait Murkern, hein. Ouais. Soit longue vue, Parce ça on va mettre crawl, là, sa ça main. Bah alors longue vue. On va scouter sa main, euh, dire un truc qu'il pourra pas activer. Ouais, ça me va. En vrai, quand tu sais pas, quand tu n'as pas de play réactif, au lieu d'anticiper, c'est mieux d'aller euh, voir sa main, je suis d'accord. Hmm. On va pouvoir bien tourner autour. Déjà, avant de développer un Harponer, je vais faire longue vue. Mais est-ce que est-ce que cette game là on l'aurait pas plus gagné en ayant un Ceratops à la place de ce Skarn Ouais, après euh, il faudrait qu'on ait pioché Ceratops quoi strictement. Oui non bien sûr. C'est genre juste est-ce qu'on voulait... Est-ce que un autre play qu'un qu un, qu un Karn A4 serait pas été plus plus pépouze quoi? Alors, il a un autre Teferi, est-ce que mon Kardes, Nissa? Euh, je suis obligé de dire Teferi du coup, parce que sinon il va bounce se... Il va boonster la longue vue. Ouais mais c'est pas grave si Boonz la longue vue tu la rejoues, t'as pas envie de le de dire ni ça. Ouais peut-être ni ça ouais. C'est la carte la plus chiante hein. Effectivement, t'as raison. Euh, là je fais. Vas-y. Le... Ah euh... tu peux faire moins 2 de cartes si tu le souhaites. Ouais, je fais à moins 2, là. On va chercher quoi? On est loin de Cromlec encore On est toujours loin de Cromlec ouais. Bah, je prendrai Ombre Lance. Grand Serpent, On hein. euh... prend prends pas Elspeth de Conquardes. Ouais, Grand Serpent, c'est bien. Et on va jouer, on rejoue Druides ici. Ouais, Druides, et tu vas tuer Teff, Tu Je vais tuer Ferry. Ok. On prend Vras, mais ça va. Karn ouais. il va prendre le contre de Pour le passeur ci. Ouais, il aura fait son taf. Hein. Franchement, je pense pas qu'il va céder ce card maintenant. Non, il ne Vras pas maintenant, du coup, il va Ferry. Bounce Longue Vue. Bounce Collecteur je pense. Ok. Et bah nous on va se redévelopper un petit peu pour lui faire passer cette Vrasse. On va mettre ouais. deux points de Druides On particulier avec notre Longue Vue. Si si je... Ouais mais si je fais plus un, euh, il peut faire Vrasse et du coup il tue notre Longue Vue. C'est Ce jusqu'à la fin du, tôt, du prochain tour C'est jusqu'à ah ouais, le prochain tour. On ne peut pas faire bien. ça. Donc là je vais jouer un Land déjà. Je vais aller tuer va mettre deux points dans son Def. Ça c'est sûr. Et puis tu lui donnes un peu à bouffer, tu vois, genre collecteur et une deuxième druidesse. Ouais, c'est OK. À un moment, il faut qu'il la passe de hein, toute façon cette race, hein. on n'a ouais. pas le choix. Hein. Et on fait plus un dans rien, je crois Ouais, plus un dans rien, ouais. Confirmer 0. tour. Comme ça là, s'il fait pas, euh, il souhaite qu'on cardesse, on peut tuer notre carne pour aller encore chercher un... une carte de side et faire de la value. assez dur, Bantin. Ouais, c'est fort. Ouais, il est obligé là. Ok. Il vrac toujours pas. On peut aller mettre 6 points. Moi, je donnerai pas plus. Hein. Je mettrai juste 6 points. Ah, ouais, 6 points. Bah, c'est nous qui avons le bidon. C'est lui qui doit bouger de toute façon. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce euh, que tu veux que je fasse le token Non, ça va. Je juste lui donner ouais, une, non, un truc à pas. bouffer en plus. Il va être obligé de brasse à un moment donné. Ah là, il je peut pas. C'est maintenant euh... le moment. PCR, ok, c'est un bon bloqueur. Il va récupérer quoi avec Elspeth Conqueredes Un Teferi Il va récupérer Teferi et Boonser Longue Vue. Donc là, tour prochain, il va faire Teferi, je Boonser Longue Vue, je, je l'active. Ah, Vivienne, dommage. Euh, comment on l'empêche de faire cette dinguerie là euh, Grand Serpent, rock, c'est pas mal. Hein, ça se prend pas Teferi. C'est 5-5. Et ça met des points. Bon, là, je crois que je fais juste Serpent à 5 là. Attends, je réfléchis. Je crois que c'est le meilleur play. Hein. Est-ce qu'on veut pas qu'il soit plus gros ce Serpent Parce que là, il se fait double trade avantageusement par deux Landes de Nissa. Ouais, mais nous on va attaquer la Nissa. Ou le Tef avec, avec une 5-5, mais il aura une 3-3 et une 0-3 en défense. On va lui mettre 0 point à cette Nissa. Hein. Ouais, mais on va trade à Land. Du coup, en fait, si on trade toujours un Land, il pourra jamais nous double trade. Bah non parce qu'au début là ce qu'il va faire c'est qu'on va lui mettre seulement deux points parce qu'il va juste block avec pesseur Bah en fait si on veut que ce soit plus gros, il faut qu'on ait des landes donc Ah mais là tu peux juste faire bête frappée d'amour, druides de paradis, je peux pas faire le token hein. Ah tu peux pas faire le token. Je sais pas, peut-être que c'est pas grave, non Bah peut-être qu'il faut faire le token et la bête. Alors j'ai l'impression que ce serpent 5 5 gros, il ira pas au bout quoi. Je sais pas, là il faut, que je... faut prendre une décision de toute façon. Bah vas-y Serpent 5-5, on essaiera de le buffer avec Vivienne. Ah avec bah oui, ça ça marche sinon. On le buffera avec Vivienne le tour d'après. Ça, ça marche bien parce dans que ce cas là. Parce que là s'il fait euh, Tef Nissa... 1, 2, 3, 4, 5... Ouais on, euh... pourra, on pourra tuer avec Vivienne. Ouais aura... ah, si, il aura beaucoup de mana. Ah mais il a pas de, de forêt, donc euh, Nissa ne fait rien euh, en termes de mana. Il va bruncer à longue vue. Ah parce que nous après on peut juste rejouer à longue vue en fait. Ouais bien Aussi. sûr. Il faudrait qu'on pioche un land pour faire ah. Vivienne plus longue vue. Vi ouais, avec un land fait Vivienne longue vue, serait très bien. Très très bien. Ouais, après, après ça, il doit avoir quand même 4 gusts. Donc euh, il y a, a peut-être un gust sur cette. Euh... Ok, il donne tout. Et donc Krasis, euh, ouais, mais ça match pas. Oh ça, 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 Ah, super. Bah, longue vue, Nissa, Vivienne, Vivienne, on fight Krasis. Non, longue vue d'abord, parce qu'il a plein de cartes en main. Il a Rafale DTR qui va faire sur notre Vivienne, mais c'est pas très grave. Il a Chariot. On le match naturellement, je crois. Ouais, avec, euh... ouais, ouais bah, on le bloque avec euh, le Grand Serpent. Bah vas-y, bah, Nissa, ça, ça me va. Alors. Nissa, euh... ok. Vivienne. Ouais. Alors, Vivienne, je fais quoi Parce que là, si je fais Vivienne, il va juste pas bloquer et, et laisser mourir son Tef, je pense. Ouais. Ouais. Ah non non ah. ah il va cercueil de verre putain J'avais pas vu Il va cercueil de verre ce grand serpent là ouais, pas trop le choix que de Vivienne et fight, et fight Krasis du coup hein. euh, Bah je peux Harponer pour tuer Krasis là Ah là, j'ai bien envie de faire Druidess Harponer en fait Après l'avantage de Vivienne c'est comment elle est elle est posée tu vois Elle est là Eh non Vivienne il va juste la tuer avec Krasis là parce qu'il va me faire cercueil de verre là-dessus, je tue Vivienne avec Krasis. S -s Sauf si tu fight cette Krasis, c'est ce que je te dis. Avec moins 3 Ouais mais ouais. je ne le tue pas là avec moins 3. Elle est 5-5 et ici 5 -5 6, 6. Ah putain d'accord, ok excuse-moi. il okay. Faut que je sois oh. serponneur, là du coup. Je vais tuer Krasis. Vu que le grand serpent va mourir, oui je valide. Je vais aller tuer Teferi. Ouais. Là, il peut pas euh, bloquer avec Pesseur. Enfin, il peut bloquer mais du coup il me donne les deux. Merci. Ah il a pas vu piétinement il Ouais je pense. Et là je vais mettre Druides. Ouais, ouais Druides. Nice. Ok. Ouf c'est dur. Ouais, c'est compliqué. Ouais, cercueil de verre sur un serpent. Ça c'est bien joué. Et là on matche plus cette charrieuse. du tout. Non. Vivien ne sert à rien, on peut lui mettre la pression sur le board du coup. Parce bah, je crois a pas le choix, ouais. Token de bête. Ah ça, ça génère trop de board présence et de value plus les brass. enfin c'est ingagnable hein, ce match-up là. Comme, comme ah. je, je disais en introduction, je pense qu'il euh, a pas rencontré beaucoup de deck ramp euh, ce monsieur. Ouais, de conquered ça annihilé le paquet en fait. Parce que ça, ça tue une menace, ça te tempo et ça ranime une menace que tu ouais. lui as gérée. Les gens jouent 4 Razer Gust dans les 75, enfin c'est beaucoup trop puissant quoi. Après, est-ce qu'on gagne pas la course là On va essayer en tout cas, même si on même la gagne si pas, ça, on 8, va. 9, 10. Ah, là il va la Gust, hein, notre Vivienne en tout cas, donc ce tour-ci on gagnera pas la course, mais on va, on va proposer euh, Vivienne dans Gust, ça c'est sûr. Ouais, je vais proposer Druides d'abord Ouais. Quand ça fasse un truc. Vous voulez pas une Druides d'abord il est intelligent. Ah, en fait, j'ai envie plutôt de phase d'attaque avant de Gust. Avant de Vivienne, pardon. Ouais, si, si Gust euh, bête, au moins tu peux résoudre Vivienne. Mais après, Vivienne, là, elle fait quoi Elle fait rien de dingue parce que dans tous les cas, il va la tuer avec Chariot. Euh, mais je vais faire moins 3, je tue euh, Nissa. En fait, au moins, si jamais ouais. il, boonce, il peut. Elle, pas elle fait rien, à Nissa, là. Elle met pas de token. Hein. Alors, en fait, elle double son mana et si jamais il pioche tes ferries, il va booncer ça. Il peut utiliser euh, la cappa Ouais, il non. a déjà passé deux Teferi, gros, c'est pas incroyable. Hein. Du coup, vaut mieux euh, se prendre enfin, Gust. Maintenant. Vaut mieux maximiser de prendre les points avec cette Vivienne, ouais. Ok, vas-y. En vrai, va peut-être laisser passer. Il va Gust, ce sur quoi je mets des marqueurs. Non. On la met au-dessus. On, va... on va la garder, ouais, ouais je pense. Je pense qu'on peut pas piocher beaucoup mieux que ça. Et puis là, on va juste bourrer Face. Ouais. On y va. Ah, mais il en avait deux. Euh. Est-ce que je vais veux au-dessus ça C'est trop Vache. lent. Je crois que non. Attends. On le veut pas On veut rejouer Vivienne plutôt Vivienne... Ça a l'air mieux Vivienne, ça met plus de points. Euh, ça, ça met 2 points, 2 points, alors que ça ça met 0 puis 6. Ouais en fait euh, sur le court terme c'est mieux bête et d'amour, ça met plus de points. Ah bah vas-y reprends reprend bête et d'amour alors. Après là, il a plus qu'une carte en main, donc s'il la garde pas, on tue euh, Charieuse avec euh, moins 3. Ouais, non, faut que j'ai gardé le de bête d'amour, du coup. bébête Ouais. Validé. Parce que en faisant bête frappée d'amour, il est obligé de garder des cartes en main. Sinon, on va faire moins 3 sur Charius et elle est morte. C'est ça. Ah, mais il pioche Après si top deck en fait. la moins de on a perdu cette game, mais il faut acter qu'on euh, on peut pas le battre à la régulière, quoi. Ouais. Ah, les serpents, si on avait, avait pu jouer un peu plus tard. Ah, ben non, mais il aurait sert que des verres dans tous les cas, donc ça sert à rien. Écoute. Je mets tout, hein. Oh ouais ouais. Il garde bien ah, ses temps en main. Oh, après 3 rafales d'éther c'est un peu abusé. Euh, il va nous mettre à 5 puis à 0. En fait on a perdu. Oh, on a perdu. Ok c'est pas grave. À la triple rafale d'éther on bat pas en fait du tout. C'est un matchup extrêmement compliqué mais je pense qu'on bat mal son pack en général en fait. Ouais ouais. Est... Vras, Nissa... Euh... Et... En fait, même le, le, le temps qu'on prend pour aller essayer de disrupter sa sortie avec euh, avec Karn, malheureusement, c'est du temps qu'on lui laisse pour stabiliser. C'est trop compliqué de battre ce deck là. Ouais. On en fait une Ah vas-y, je suis chaud. Ouais. Allez, j'ai bien aimé ce que vous avez pas. en tout cas, euh, Karn qui a pioché trois cartes là. Enfin, qui a pioché deux cartes pendant qu'il a failli en piocher une troisième. S'il y avait pas ouais, le CD. C'était cool. Et en vrai, même malgré sa sortie, on n'était pas loin de le battre, tu vois. Ouais. Bah, je te dis trois rafales d'éther d'affilée. À la fin, là, ça nous empêche de faire la course. Ça nous met vraiment trop mal quoi. En plus que tout ce qu'on a subi, je suis savant. Ouais, je vais en premier. Par contre, on peut avoir ouais. des mains pas dégueu, s'il vous plaît Yes. Trop bien très comme main, ça, par contre. En plus, très on très commence. Très bien, Incroyable. Allez, c'est collecteur d'Androides dans Vivienne. Et là, on fait... Ça, c'est le genre de main qui gagne. Ah, j'ai dit, pas choc, c'est un client, lui. À ah, lui, euh, il a réservé une table pour deux. Sauf qu'il ne <laughs> sait pas, mais il va dîner seul et froid. <laughs> Allez, j'attaque. Allez, bon, moi ça. Vas-y, vas Ah mais Aperon, c'est un viewer il me semble, non Ouais, j'ai déjà joué contre lui hier et il me semblait qu'il jouait 4 couleurs euh, contrôle. Euh, eh pas ben... hier, avant-hier ou avant-hier. Écoute, il a changé de, de plan. <laughs> ouais. Ou alors, il est bizarre, ouais, sans 4 couleurs contrôle. couleurs contrôle avec Boulash, j'en plein de cul. Alors, c'est peut-être pas lui, mais ça me parle. <laughs> Je confonds, mais c'est pareil. Non, non, mais peut-être qu'il nous le dira dans les commentaires si c'était bien lui qui jouait 4 couleurs contrôle. Allez. On fait quoi On tue euh, sans vapeur ou pas Je pense que c'est bien. Ah, attends, on va juste bourrer avec Vivienne, non Ouais. Parce que là, le problème, c'est que si on tue sans vapeur, derrière, notre a... Vivienne, elle est morte. Ouais. ouais, il a juste attaqué et on ne peut pas la défendre. Ouais, donc c'est pas fou. Je mets des marqueurs sur Druides ou pas Ou okay, que sur collecteur Ouais, euh, sur les deux, je pense. Hein. Hop là. Après là, si j'attaque, euh, il la tue. Hein. Il lui met déjà 3. Il a. Il y a 5 cartes en ouais, bah, N'attaque pas alors, je pense que c'est plus ouais. important de garder ouais. Vivienne. ouais. Bon, faut arrêter de piocher des landes par contre aussi. C'est vrai qu'on a pioché de deux landes, ce serait bien de plus en piocher là. On va bloquer le crasher. Ouais. Alors si Et... je bloque crasher, euh, on perd Vivienne sur le moindre spell rouge à hein, 1% vapeur. Ouais. Mais pareil pour sans vapeur. Même si tu bloques sans vapeur, on perd Vivienne sur le moins de spells rouge. Non, parce que du coup, il faudra un spell qui buff. Ah mais de toute façon, il a que ça. tous du coup, n'importe quel spell qu'il va jouer, s'il en a un, on la perd quoi. Ah bah comme ça, on perd Vivienne plus tout. C'est un mauvais bloc en fait. Bah, qu'est-ce quel était le meilleur bloc Bah, tuer sans vapeur, je pense. Après, s'il avait exacerbation, c'était chiant. Ouais. Parce que là, du coup, il va passer 4-4 sans savoir plus, on le match plus. Ah, on a, on a mal bloqué là. Ok. Peut-être, ouais. Oh, putain, c'est horrible quoi. Voilà, c'est pas actif. Hein. De quoi Il est pas actif, son voler. Son tu peux double ça. bloc là ah, Tu penses qu'il fallait on avait plus, bah, hein. plus de mana comme ça. Ouais, je, je pensais pas, ah, genre, en fait on, on a chose. une forêt en main donc euh, je voyais pas trop le double bloc bien mais euh, peut-être qu'il fallait. Ouais. Là, il va rejouer ses deux spells exilés. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut piocher nous pour matcher son board de manière efficace mmh. ah, il, peut, il peut réutiliser trois manas Et derrière vous. C'est la folie quoi. Ah, il nous dégueule sa main. Bon là 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 là. Euh. Vivienne, ok. Ah, on peut aller tuer Anax. Ouais, oh, mais euh, Si on tue Anax, on a deux repop, on perd Vivienne. Ah bah, Vivienne, c'est sûr qu'on la perd de toute façon. Non, parce que je peux chump. Euh, tu vois, je peux mettre deux marqueurs sur Tracker pour bloquer Anax. Et euh, Ah ouais, non, mais. Il y a beaucoup trop de force de frappe là. Ouais, je crois qu'il faut aller tuer Anax pour éviter de mourir sur Humbercle. Ouais. En plus elle inflige sa force, elle ne se bat pas, donc on garde un druides. Ouais ça c'est vachement bien. Pas d'attaque. Bon après il a quand même beaucoup trop de board pour qu'on espère matcher euh, cette game. Bon là si l'Humbercleave on a perdu. Ouais bah ils ont toujours toujours donc ouais. euh, Spoiler un... à mon avis là. Ça plutôt. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok. Ok. Bon bah la sortie est un peu trop euh, trop forte et euh, triple draw de l'ange je crois. Ah bon allez là, est-ce qu'on peut en rosser un avec ce deck là Comment ils ont fait les mecs pour gagner Bon là le plan carne il bien. est il est pas possible. Ouais, est-ce que du coup je rentre en relance mais une deck Ouais, ombre lance brisé, tu enlèves Karn. J'enlève Karn, Vivienne c'est trop lent contre lui. Euh... Euh, Nissa c'est beaucoup trop lent, je pense, premier oh. jeu hero ouais, Moi Nissa j'aime bien quand même, hein. ça, ça stabilise les boards, c'est une carte qu'on laisse quand on joue ramp, j'aime pas mal, ça, ça impose des bloquants à tous les tours. J'enlève Kadilien sinon, c'est peut-être juste nul contre lui. Après on est sur le play, donc c'est pas déconnant d'en garder un petit peu. Ouais. Peut-être des dropins. Les dropins c'est un peu mou, hein. genre les trackers là c'est vraiment naze. Hein. Ok, je peux que de, deux trackers. Ouais, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à rentrer, rien d'autre bon, En vrai top c'est peut-être une meilleure bête que Tracker. Ouais, non, ben on peut rester comme ça en vrai. Hein. Je vais en Grand Chromelake pour gagner des P ou pas Ouais, j'aime bien. Un Grand Chrome Lake, encore un tracker. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la droite du sein Il y a un Grand Serpent on rock. est... On est... Ouais, c'est probablement mieux que le dernier tracker. Ça sera une bête de curve ouais. euh, à n'importe quel moment de la game. Effectivement, okay, et oh. sinon, euh, c'est tout. Ok. Bon, c'est son Bronto d'onde déjà qui, va, qui peut hard carry la game. Ouais, ça va le faire, je pense. Bronto, c'est pas mal. On ouais, va jouer en premier. C'est bien ça. Faut piocher des landes, mais c'est bien. Ouais, il y a bête frappée d'amour et en brelance, c'est une combo contre lui. Ouais. C'est une 6 6, 6 piétine mon lien de vie, c'est bien. Ouais, ça a l'air bien. Comme hein. Ça pouf pouf pouf. OK, bah je vous relance et un point peut-être. Ouais, carrément du coup deux points lifelink. Hein. Ah non merde putain, ah c'est pas c'est ravière euh, le, notre token merde. Ça coûte Dommage. un peu plus à équipé. Ça va oui. Un troisième land, très bien. Est-ce qu'on ne fait pas briser pour vraiment empêcher ce steamkin de... On peut faire briser et je tue son peur là. Est-ce que c'est pas plus important que développer bête frappée d'amour Je sais pas du tout. C'est une vraie question. Tu penses qu'on est l'agresseur et qu'on s'en fout C'est probable. Bah en fait là, si on fait bête frappée d'amour et qu'il fait je tue le token, du coup bah la bête frappée sert à rien. Enfin c'est un bloqueur mais euh, on pourra pas mettre la pression donc en vrai euh, faut peut-être mieux gérer son reper. Ça me va aussi vas-y. Ah mais c'est à l'instant. Ouais non il faut le faire maintenant. Simulacreature. Euh, Hop. Et on peut remettre un point en plus. Ouais ça me va en vrai comme play. C'est pas aussi sexy que faire bête frappée d'amour mais c'est le monde où tout se passe bien pour cette bête et il n'est pas, pas gagné quoi. Bah ouais le problème c'est que bête frappée d'amour c'est un play agressif si l'adversaire ne gère pas la 1, 1 et euh, je pense qu'il peut la gérer. Ah il attaque pas le champion fervent. Ah uh, bête frappé hein. Ouais je crois hein. Du coup... Enfin fra bête frappé, dans tous les cas ça va quand même bien le stopper net quoi. Ouais. Ah ouais dans le, dans le petit de bloquer c'est très bien, mais comme là on était en, on, on avait la réflexion d'être agressif ou pas. Ouais on était en plan beatdown. Après en instantané il aura pas de quoi gérer le token donc il faut qu'il le gère en rituel. Si en instantané il ah putain ouais il a bonne Crusher Giant. pardon. Parce que je sais que les, les versions jouent plus choc donc euh... Je vais équiper là, essayer d'attaquer. Eh, je. Non si. Tu sais qu'il a géant Krakos, c'est mauvais play. Bah, hein. en fait, dans tous les cas, s'il fait géant Krakos, je peux pas attaquer, mais j'ai une 6, -6 li de, euh, lien de vie. Ok, ok, ok. Ça me va. Au pire, c'est pas très grave. Phase d'attaque. Ouais, il, il a... non. Ah, il a feuille dragon, ok. Fin du tour, du coup. Pour oh, le tour d'après, on va faire euh, Bretondonte ou euh, ou peut-être Vivienne si un jour on a... En plus, on gagne les PV sur fight, non Inflige euh, un nom de ouais, c'est ça. Tu gagnes les PV, ouais. Bah, ah, je vais développer plutôt Bête de Quête hein, si jamais je peux. C'est très très nice. Bah, je sais pas, moi j'aime bien aller fighter ce géant Krakos et gagner 6 PV. Hein. Plus que Bête de Quête. Ah bah on peut le faire en tous les cas, de toute façon. Ouais, vas-y, enfin, va c'est gagner... très, très bien. Pan, pan. Donc, une on perd paire deux paires, on en gagne six. Mais, comme on en gagne six, ça devrait le faire. Oh, c'est trop bien. Fin de tour. En fait, on a une espèce de tour de contrôle. Qui fait ça. Tout 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 tout. C'est ça. Et, et on a des canons, quoi. C'est énorme de faire ça, en fait. J'adore. Ok, bah brisez bravé, encore une fois. Ah non, Vivienne ah, fight. Vivienne fight. Est-ce qu'on perd Vivienne Je crois pas. Mm. Non, de six, il a notre de célérité, mais du coup, il nous redonnera encore 6 PEF, hein, ça paraît ouais. être un enfer pour lui. Il va lui. commencer à concéder, je crois, si jamais il ouais. veut faire ça. Oh, ça, ça tue. Ah ben non, mais il va juste attaquer avec le token et ça, et nous tuer Vivienne. Mais il nous redonne 6 PEF. Ouais, pefs, mais du coup, on dit. aura gagné 12 PEF dans l'équation. Ouais. Il sacrifie. Bah c'est bon, mal. Nous tuer Vivienne, ok, ouais. Mais c'est nul, il <laughs> pourrait... Ouais, ok. C'est juste pour qu'on gagne pas 12 PEV, mais. Ouais. Ouais, du coup, c'est pas si mauvais, mais bon. Ouais, c'est la, la si fatigance quand même. C'est bien les 6-6 uh, liens de vie. Hein. Il doit être content là. Land. Bet... Ben, je fais bête de, de quête. Phase ouais. d'attaque. Puis si un jour t'as le malheur de piocher une autre Love Truck Beast, il va... il va rien comprendre. Ouais. Ah, du coup, les trackers, euh, ça fait que bête frappée d'amour euh, est plus difficilement euh, attaquante. attaquante Ouais, mais c'est pas grave en fait. Elle sert justement de tour de contrôle, tu vois. Tour de contrôle. Ah, ah bah voilà. Voilà, la faire attaquer. Nickel. Peut te frapper d'amour ouais. à tour de contrôle. Franchement, <laughs> oh, c'est fou. Hein il nous a chié dessus à la une, mais là. Euh... Vraiment, on lui dit, t'as vu ton plan de jeu comme il est naze. Il est en difficulté, comme on dit. Ah ouais, c'est insane. Et en plus on a brisé en backup si jamais il veut faire la moindre Humbercleave. Ouais. Rien à foutre. Regarde ce briser en backup. C'est très très... Ah merde non, j'allais mettre harponer mais du coup ça buff le collecteur on peut plus attaquer avec Better P. Ouais reste... Pas bon, reste en là. Vas-y c'est pas grave, tu peux bloquer avec Bête de quête et avoir brisé si jamais il veut te Non bah je vais prendre un juste. Oui c'est vrai. C'était juste histoire de lui dire, écoute gros, tu as perdu cette game. C'est bien ça. Est-ce que je peux pas juste équiper le tuer là Oui, tu peux. Ah oui, non, mais il peut pas bloquer de toute façon. Je suis con. dans tous les cas, tu vas le tuer parce que parce que t'as brisé sur lumbercliff qui voudrait te descendre en défense. Ah, je crois qu'il en a pas en fait. Ouais. Ou alors il l'a, mais dans tous les cas, il peut pas bloquer bête de quête. Euh. Ouais, non, effectivement, ouais. Oh, nice. Comme euh, on relance de nos piétinements, on garde. Peut-être j'enlève les Viviennes. Comment Peut-être j'enlève les Viviennes là maintenant. Tu peux enlever les Viviennes pour mettre quoi du coup mmh. Non, ça va. Hein, Premier je jeu Hiroassic, pour 3, je vais mettre un bloqueur et potentiellement 3 marqueurs sur une bête. C'est pas non, mal. Hein. C'est mou, hein. Mieux vivre. Je crois que tu vas faire un 1-1, c'est trop, trop, trop gentil. Ouais. Ouais, peut-être qu'on va faire ça en fait. Non, là, je, je réfléchissais entre les jeux héroïques ou Ceratops en fait. Je me dis, est-ce que au tour 4, je préfère pas une 5-4, tu vois, qui arrive, bim, plutôt qu'une qu Vivienne Ouais, peut-être, je sais pas trop. En fait, l'effet se battre, c'est bien quand on a une bête frappée d'amour. Mais si on en a pas, enfin, on, on va avoir une bête frappée d'amour là. C'est le plan de jeu. Tu sais, quand ton jeu deck, il a de te à de avoir, ça n'existe pas, ça, les mecs qui jouent euh, et qui trouvent pas leur plan de jeu. Bah déjà, on a rentré. Euh, genre, des cartes de side en one slot on les a. Alors, avec un land, je l'ai gardé parce que je faisais dinguerie. Là, je suis obligé de jeter. Bah, je suis tellement déçu qu'on n'ait pas un land. Après, on commence pas, gros. Est-ce que c'est une main de table filmée ou pas Non, mais là, il faut trouver trois lands. Ah, j'avoue. si, laisse <laughs> tomber. Ok. C'est une blague, en fait. OK, trop bien. En vrai, on est une belle sortie hein. Ah ouais, grave. C'est bien hein, franchement. Non, moi j'aime ça bien. arrive. Ouais, à 4, ça arrive pas trop quand même avec le London Molligan. Genre 24 London ou 25 mulligan. land. London mulligan. London mulligan. London mulligan. London mulligan. Faire un land un land un land un land. Bon. bon. Bon bon bon. Si on trouve un land, on fait une vraie sortie. Ouais, ouais carrément. Oh, bonne crusher giant en réponse. Je pense que Aperon est trop fort pour nous ce matin. Enfin, Aperon est la variance, parce que du coup, on est deux contre 1. J'attaque ou pas Ouais, je pense. Oh, je beat down. Franchement, un land, s'il vous plaît. Allez, on a Mulligan à 4. Cha Chauffe le dessus du pack, c'est très important. Hop là, sur la fesse de la fée. Ah, bah là, regarde, il va te piquer un land. Non. Ah, non, ça va. Il y a On de a à moins 4. Ouais, quand même, mouligan à 4. Tu peux braver pour aller tuer ce voleur des riches. Ouais. Et, et mettre Mais des est points. C'est le play hein. en vrai. Hein. Oh, ouais, je pense. Hein. Il est bien ce play. Hein. C'est puissant. Hein. Deux points. Allez, un petit land là, les gars. L'avantage quand tu mouligan à 4, c'est que voleur des riches, c'est de la merde. Oh yes! Oh là c'est bête, euh, c'est Bronto Ouais. Qui va matcher ce Anax. Oh le collecteur de Pokématch match aussi. Pas d'attaque. Pas d'attaque. Arrêtez de prendre des points de dégâts. Après là, si l'Amber euh, sur 10 cartes, GG. Oh il l'a pas. Oh. Là c'est double oh, token. Lo, 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 lo. Et il va y avoir des 5-5 en veux-tu en voilà, mon ami. Et ah, maintenant je peux activer le Brontodonte en plus, donc c'est vraiment très bien. Oui c'est bien. Non, pas d'attaque. J'aurais presque envie d'attaquer, mais c'est des coups à se faire trade. Pas ouais bon. ouais, c'est pas... Là, là, on est trop... On revient de tellement loin. Les bons trades font les bons amis. Oh lolo lolo lolo. Ok. Incroyable. Ce land qui permet de faire bête frapper d'amour et d'avoir le bon taux Collecteur de peau, est-ce que j'attaque avec ce collecteur Alors réfléchissons, comment il peut nous bloquer Il peut nous bloquer avec Anax, il peut nous bloquer avec son land 3-3 aussi, donc non. Bah, Land 3-3, on le tue, on est 4-4 pièces. Oui, mais il va nous double bloc. Bah, on tue les deux. Ah, avec euh, Anax non. et le Land Ah, bah oui. Ah, bah, je tue Anax, du coup. Qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre pour le nous, 5, nous 5, faire 5, vraiment, euh, Brenfart, là. Brenfart, le P de cerveau. Ouais. Regarde, comme ça, voilà. Ok. C'est la tech. vas -y. Tu sais quoi Matt, euh, Art for the Blockers. Exactement. Ben très bien Je vais tuer ça d'abord. Ouais. Je sais pas si ça change grand chose en vrai. Ouais. Pardon bah, est-ce que c'est euh... Oui c'est ok comme ouais, trade Ouais c'est d'or ça. Il veut faire ouais, des... Elle a des -pop, quoi. Ouais mais c'est des 1-1. Genre une 1-1 init euh, qui s'équipe gratuitement et une 3-3 c'était mieux que 2-1-1 qui peuvent faire bloquer, je pense. Ok, vas-y, admettons. Parce qu'après, il passe 5-5 en fait, notre collecteur. Ouais, mais on a une autre 5-5 qui arrive et le anaxe est 2-3 du coup. Ok, ok. Bon, par contre, les landes là, ça va 2 secondes. Ouais. Tu peux attaquer avec la bête frappée d'amour du coup. Hein. Ah, bah, je vais pas me priver. Il peut bloquer qu'avec ça. C'est-à-dire, pas. la deuxième. pas se la jouer ça et on va garder ce land. Ouais. Quoique, je crois qu'on a aucun intérêt à bluff ici. Il va sacrifier un land. Waouh! La fatigance de ah, ce je play là. Crois que son but là c'est de tuer nos 2-1-1 pour plus qu'on puisse attaquer, mais. Au moins on pourra bloquer. Mais on aura toujours des 5-5, donc. No problèmes. Tu proposes double attaque? Je vais essayer, ouais. Il va double trade, tu peux péter Anax en réponse. Ouais. Ah bah non, il passe hein. à wow, 1. Je vais druides. S. Oh, ce mouligan à 4, les amis. Ce mouligan à 4, c'est la tech. C'est la tech. Exceptionnel. <laughs> Exceptionnel. Après, il fait pas une sortie dingue non plus. Oh bah Mais bon, on a mouligan à 4, donc euh, on peut rien dire, on peut juste dire on ah, l'a éclaté. Voilà. Ah, ça fait plaisir que ça se finisse bien. Mm. Tu vois, c'est toujours les gentils qui gagnent à la fin. Ouais. Même si on en a chié... C'est une belle leçon pour les jeunes qui nous regardent. Soyez gentil, vous gagnerez à la fin. Si vous avez perdu si, une si partie de c'est que vous énergie. étiez méchant. Et Raphaël Lévy, tous les lundis soirs à 20h, c'est vous pouvez C'est le méchant qui gagne <laughs> C'est le méchant qui gagne à la fin. Ah, c'est le gentil, mais qui a un comportement de méchant. C'est grave. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu de tuer son adversaire, il lui raconte son plan diabolique et ensuite <laughs> il le tue. <laughs> ah merde, on attaque plus avec nos bêtes frappées d'amour. Ouais, mais je crois qu'il est pas dans une situation très agréable. Non. Bah écoute, je crois qu'il faut juste passer le tour jusqu'à trouver un 1-1. Ouais. Et voilà. Bah 1-1 permettra d'attaquer. Euh, il faudra qu'il a deux deux Ambercliff pour faire les trucs. Ouais. Je me méfie quand même. Hein. C'est euh, ouais. un peu vite dégénéré en on pas faveur. victoire trop vite. Après, s'il attaque et qu'il nous tue pas, derrière il est mort. Oh parfait. Oh bah c'est bien ça. C'est quand même beaucoup trop bien comme draw. Bien joué. Et on va la jouer tout de suite cette bête frappée d'amour. Oui, et là tu landes par contre. Pourquoi enfin, Pour avoir le, le mana dispo pour bon Ben, bah, j'ai l'ai avec etodess. Ah oui, tu l'as avec ouais, mais non, je suis court. Ah mais non, mais j'attaque avec Drudesses aussi pour le tuer en fait. Puisqu'il a 1, 2, 3 bloqueurs. Tue-le. Tue seulement. Bien joué. Ouais Le mulligan à 4. Ah, ça fait plaisir! Ah, Parce que là, franchement. Je pour mon rang, du coup. C'est bon, je le soigne ton rang, ben je le bichonne. Ben d'ailleurs, je crois qu'on a commencé la vidéo, j'étais 650. Et là, on est 651. Et je C'est ce approximativement ce que j'aurais perdu le temps de la vidéo, donc c'est parfait. Donc ça va? Ouais, c'est super. T'as perdu une place. C'est exceptionnel. Oh, 20 gemmes, ça te fait quoi d'avoir eu 20 gemmes là? Je suis tellement content, en gros, je suis refait. T'aurais un petit mot là, un remerciement pour euh, ces 20 gemmes? Bah, merci beaucoup. Euh, dédicace à ma mère qui m'a mis au monde. Sans euh, qui tu et ne serais bah... pas vivant. Quand même on l'oublie voilà. trop souvent. Mais écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu quand un partage, abonnement. Euh, ça fait plaisir de voir un petit peu de standard, surtout du standard frais, parce qu'il a été bien frais ce standard. Il y a toujours Nissa, mais il n'y en a qu'en deux exemplaires et on l'a même pas joué. Donc en vrai ça va. <laughs> Ceux qui disent qu'on voit toujours Nissa Krasis ça va pour le coup là. Bah, elle était là quelque part, mais c'était la travailleuse de l'ombre ouais, Nissa, c'est une travailleuse de l'ombre parce que si tu joues vert es obligé d'avoir ni ça quoi. Exactement euh, Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Discord, Facebook etc dans la description Ainsi que nos chaînes, euh, nos chaînes Twitch ValPL Magic Arena FR Et ValPL Gaming Sur laquelle je fais des streams euh, de plus en plus régulièrement Sur d'autres jeux que Magic Si vous voulez venir n'hésitez pas Et sinon bah voilà, vous savez le planning pour les streams Magic On en fait également de plus en plus Et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie C'était de la belle magie <music>